retour à la normale. Avec la voiture qui te précède est de 11,8 secondes. Une chose d'être médium fusé. Une chose d'être comme fusé depuis 23 tours. Je crois qu'il leur reste encore un arrêt. Le dernier tour a donné 1 minute 28,7. On perd environ 4 dixièmes au tour. De 5 dixièmes par tour avec la voiture de derrière. Notre retard sur la voiture de devant est de 12,0 secondes. On va consommer une partie de l'énergie récupérée. Thank you.
d'écart avec le pilote de devant est de 12,7 secondes. Vite, notre indicateur delta est trop faible et nous risquons une pénalité. Sur ton emplacement, pile au bon moment. Bel arrêt. Reste éloigné de la ligne blanche à la sortie. On risque de recevoir une pénalité pour conduite dangereuse si tu traverses la voie. Ok, ralentis. Ton delta est négatif. Ce qui signifie que tu roules trop vite. Ralentis. La voiture de sécurité attend le leader, tu peux la dépasser, double la voiture de sécurité. Vite, notre indicateur delta est trop faible et nous risquons une pénalité. Il faut lever le pied. Avec la voiture qui nous précède est de 1,0 secondes.
chausses des pneus durs usés. Il chausse des gommes usées depuis 21 tours. Le concurrent devant toi a abîmé son aileron avant. Dégâts mineurs sur l'aileron avant de la voiture de devant. Le dernier tour a donné 1,39,3. Voiture de sécurité, rentre ce tour. Voiture de sécurité au stand. Assure-toi de mettre tes pneus à température et n'oublie pas qu'il est interdit de dépasser jusqu'à la ligne de chronométrage. Reste à ta place jusqu'au drapeau vert.
parce que c'est facile.
d'écart avec la voiture qui te précède est de 4,0 secondes.
dernier tour. Facile, mais il faut essayer de rester positif. Même les meilleurs subissent des contenus. On va travailler dur cet hiver et on reviendra en force la saison prochaine. Et voilà, cette nouvelle saison de Formule 1 s'achève sur cette fantastique victoire. Dites-moi Nicolas, comment pensez-vous qu'il a réussi à signer un tel résultat aujourd'hui ? Je crois que le facteur décisif qui a joué sur la course aujourd'hui ne fait plus aucun doute, la vitesse. Ça paraît affreusement réducteur, mais ce sont les voitures rapides qui gagnent les courses. Et on en a eu la preuve aujourd'hui avec notre vainqueur. Et voilà, une équipe habituée au podium qui monte à nouveau sur la plus haute marche. Une course d'exception aujourd'hui et une victoire éblouissante pour Ferrari. Ce n'est pas le résultat que le leader du classement espérait, mais ça va rendre les choses très intéressantes. Penchons-nous sur le pilote du jour. Qui choisiriez-vous, Nicolas Martin ? Pour moi, c'est Tao. Ils ont livré un combat titanesque et le rythme était parfois incroyable. Ils étaient au-dessus du lot aujourd'hui. Le championnat des constructeurs est plus ou moins plié à ce stade, mais jetons quand même un œil au classement. Ferrari a définitivement pris son envol au classement et se retrouve hors d'atteinte. C'est un nouveau triomphe pour l'écurie italienne qui remporte le championnat du monde des constructeurs. C'est une belle opération de la part d'Aston Martin qui réussit à bousculer la hiérarchie. Et bien encore un week-end ponctué par une course fantastique. Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints. Rendez-vous sur le prochain circuit.